Alors les Albay Games, cette année c'est la 3e édition. L'idée est partie de en catimini derrière un bureau avec un collègue et puis dans l'esprit Koh-Lanta, Koh-Lanta Fort Boyard. Tout le service des sports a adhéré à ce projet, les élus et progressivement les sponsors parce que le concept plaît, voilà, c'est un concept qui est dans l'air du temps. Donc voilà, on sans vouloir se démarquer de qui que ce soit, de n'importe quoi, voilà, c'est un concept qui est vraiment dans l'air du temps, en vogue, à la mode et qui est très demandé. Alors aujourd'hui, là, cet après-midi, mardi après-midi, on est au WAM Park. Il y a 3 épreuves différentes. L'esprit, c'est d'aller auprès de 5 plateformes qui sont disposées dans l'eau avec des jeux différents. C'est des jeux de mémorisation, c'est des jeux de construction. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des 5 premiers défis. Donc ce matin, on était au Fort de Tamier pour des épreuves qui comprenaient une course d'approche, recherche de totems, de morceaux de totems, course d'orientation, agilité, adresse, réflexion, force. On a été moyen, on va dire. Ouais, il fait beau, c'est agréable. Ça a été trop bien, même si on est mouillé, c'est pas grave. C'était vraiment génial.